Ouais. Ça roule déjà. Alors, on est en fin de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, le 17 octobre à Namur. Heureux, ça paraît ambigu dans cette crise sanitaire qui se redéploie malheureusement, mais heureux en fait d'avoir relevé le défi d'être en action, c'est-à-dire de ne pas être anéanti par ce coronavirus, de voir que les personnes en situation de pauvreté qui sont des militants qui investissent pour la collectivité se sont mobilisés, ont porté des propos, que des acteurs se sont mobilisés sur l'ensemble du territoire wallon, que des animateurs du réseau sont allés à leur rencontre, ont réalisé des interviews, etc. Donc on a senti un besoin de solidarité, de faire ensemble, d'agir ensemble. Alors cette journée, elle était placée aussi sous l'angle pour nous, et quand je dis elle était placée, cet enjeu va perdurer dans le temps au nom du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, sous l'angle du droit à l'aisance H24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire de revendiquer ce droit à l'aisance pour les personnes en situation de pauvreté. Ça peut paraître ambigu. Il y a des personnes qui disent, mais quand vous parlez du droit à l'aisance, vous parlez d'une sorte d'enrichissement, vous parlez d'une notion bourgeoise, etc. Bien non, on a creusé l'idée du droit à l'aisance avec les personnes en situation de pauvreté et elles se retrouvent dans cette nécessité de défendre ce droit parce qu'elles connaissent exactement le contraire de l'aisance. Et pour elle, l'aisance, ce n'est pas s'enrichir sur le dos d'autres, ce n'est pas amasser des biens, des ressources, du patrimoine, de l'argent en quantité bien plus importante qu'il n'en faut pour vivre. Ce n'est pas posséder le patrimoine des autres et ce n'est pas déposséder d'autres de leur richesse à son profit personnel. Le droit à l'aisance, c'est ne plus avoir le souci de se loger et de payer son loyer, ne plus avoir le souci d'avoir de l'énergie et de l'eau en constance dans son ménage, ne plus avoir le souci de s'alimenter et de pouvoir aller faire ses courses pour faire des repas chez soi sans devoir aller quémander l'alimentation qui est distribuée par les circuits alimentaires, ne plus avoir le souci d'envoyer son enfant à l'école avec la boule dans le ventre parce qu'on ne saura pas assumer les factures. C'est aussi ne plus avoir le souci de se déplacer dans l'espace en Wallonie. Et c'est aussi ne plus avoir le souci de se soigner vraiment, de prendre sa santé en charge. Voilà, c'est ça le droit à l'aisance. C'est déjà que ces réalités-là qui sont le quotidien de la vie, c'est par là qu'on se met en route tous les jours au matin, qu'on vit tout au long du mois et qu'on termine le mois, et bien que ça n'encombre pas la vie quotidienne en permanence. Et donc, ce que revendiquent les témoins du vécu militant à travers le droit à l'aisance, c'est en tout cas de ne plus avoir l'esprit encombré, de ne plus avoir le moral encombré, de ne plus avoir l'angoisse et le stress qui vide des forces et qui conduit à la dépression, parce que ça, ce n'est pas une évidence. Et ça, il est légitime que le témoin du vécu militant le revendique. Il est légitime parce qu'un État qui aime son peuple, un État qui décide qu'il est intéressé par la totalité de son peuple, il doit garantir aux gens que ça ne doit pas faire l'inquiétude quotidienne de leur vie. En effet, le droit à l'aisance, c'est en fait libérer justement sa vie quotidienne de ses nécessités de base pour pouvoir se réaliser à travers ce qu'on est d'autre comme être humain, des êtres humains de créativité, de relations sociales, d'envie, de désir, de souhait de changement, de capacité de s'adapter, etc. Mais comment peut-on le faire si l'ensemble de sa créativité, de son énergie est bouffé par les nécessités du quotidien? C'est ça le droit à l'aisance. Ce n'est pas demander beaucoup dans le fond, hein, ce droit à l'aisance. Ce n'est pas demander d'avoir des salaires mirobolants, c'est demander avoir ce qu'il faut pour vivre. Et ce droit à l'aisance, en fait, il est bon pour les gens, mais il est bon pour le moral de la société, il est bon pour le portefeuille des gens, mais il est aussi bon pour l'économie. Hein. Si les gens se sentent mieux dans leur vie quotidienne, s'ils ont la capacité d'assumer financièrement, eh bien, ils pourront être des consommateurs de ce qu'il faut, de ce qui est nécessaire, en n'ayant pas de retard de paiement, en ne s'endettant pas et en pouvant acheter parfois ce qui est plus qualitatif que de devoir se résoudre à manger de la mauvaise alimentation, par exemple, avec toutes les conséquences néfastes que ça a sur la santé. Et le droit à l'aisance, il ne faut pas croire, ce n'est pas le souhait pour le réseau wallon et les militants d'appauvrir ceux qui sont dans le droit à l'aisance, ceux qui y sont, mais tant mieux, et surtout qu'ils y restent. Donc c'est de veiller en fait à ce que
la dégradation des conditions de vie, la dégradation des conditions d'organisation de la société, la dégradation des qualités de travail, etc., ne conduisent pas ceux qui le sont vers la perte de ce droit à l'aisance. Donc ce qu'on veut, c'est que plus de gens aillent vers lui, aillent vers ce droit à l'aisance, c'est important. Et le droit à l'aisance, c'est de la prévention. Si les gens sont mieux dans cette réalité du quotidien, ils sont mieux dans leur tête, ils sont mieux dans leur corps, ils seront moins malades, ils ont plus la possibilité de se dire qu'ils peuvent prendre des risques dans la société pour s'orienter vers des changements de vie, etc. Et la prévention, c'est de l'investissement, mais ça coûte toujours beaucoup moins cher à long terme. C'est une erreur de croire qu'on peut toujours réparer après coup, courir après coup et mettre des sparadraps après coup. Ça coûte vraiment très, très cher. Donc voilà pourquoi on défend le droit à l'aisance au réseau de Wallon de lutte contre la pauvreté. Et en conclusion, si on le défend de cette façon-là, c'est aussi parce qu'il n'y a aucune légitimité non plus à un enrichissement suranné. Il n'y a pas de raison d'accepter que des possédants soient toujours plus possédants de territoire, d'argent, de patrimoine, de moyens, quand d'autres sont en train de s'appauvrir. Autrement dit, il n'y a aucune raison d'accepter les inégalités. Les inégalités, c'est illégitime, c'est à combattre à tout craint. Une société qui veut être équilibrée, une société qui considère la vie humaine comme une importance, une société qui pense que les possibilités de chacun ont de l'importance pour l'ensemble, pour tous, pour la collectivité, elle doit combattre les inégalités. Et la personne qui s'est enrichie, et la personne qui a beaucoup de patrimoine, et la personne qui crée une entreprise, et la personne qui a beaucoup d'argent à investir, eh bien, n'oublions jamais que l'ensemble de ce qu'elle a, qu'elle possède, ben, ça n'est pas dû qu'à sa propre méritocratie. C'est quelqu'un qui a grandi dans une société, qui a profité de nos écoles, qui a profité de nos services publics, qui a profité de notre mobilité, etc. Donc, elle fait partie du tout. Et donc, il est donc nécessaire qu'à une juste hauteur, elle contribue par la fiscalité à un retour dans l'assiette fiscale qui permette à tous d'accéder à davantage de droits à l'aisance et à elle d'être dépossédée d'un tout petit peu de ressources tout en ne perdant pas du tout un énorme droit à l'aisance. Alors, comment on pourrait l'atteindre, ce droit à l'aisance ? Ben, on doit toucher à plusieurs choses. La première, c'est la fiscalité. Je viens déjà d'en parler. Il faut une grande réforme fiscale. Il faut en effet un impôt sur les plus grandes fortunes. Il faut contrer la fraude fiscale. Il faut imposer aux entreprises de payer leurs impôts là où elles récoltent de la richesse. Il faut interdire ce qui ne cesse de continuer, ce qui est de collectiviser les risques, mais de privatiser les profits. Ça ne va pas et il faut agir fortement et rapidement. Et pour ça, il faut changer des règles, il faut changer des lois, il faut des décisions politiques au plan européen, au plan belge et à tous les niveaux de pouvoir dans notre pays. Mais pour ça, il faut aussi doter la justice et l'administration du personnel et des outils nécessaires pour pouvoir contrer la fraude fiscale. Si l'on dépossède les administrations et si on ne dote pas la justice d'outils pour ça, elles ne pourront pas s'attaquer à cette gangrène, en quelque sorte, qui empêche de remplir les caisses publiques au profit de tous. Évidemment, une fois qu'on a touché à ça, on doit défendre une sécurité sociale forte. Et une sécurité sociale forte, c'est la défendre aujourd'hui pour ce qu'elle est, c'est la renforcer, lui garantir un financement pérenne, ne jamais considérer que c'est une dépense excessive, mais au contraire, c'est un investissement préventif de nouveau. La sécurité sociale, c'est la prévention, c'est la sécurité et c'est la solidarité. Et puis, il faut la faire évoluer, cette sécurité, il faut encore la renforcer davantage. Deux exemples au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté dans le renforcement de cette sécurité sociale. On voit régulièrement que des enfants qui fréquentent la prévention dans le cadre scolaire, eh bien, il y a des dépistages qui montrent que ces enfants pourraient avoir des problèmes au niveau des yeux, au niveau de l'audition, au niveau de l'orthodontie, au niveau squelettique, des problèmes dorsaux, etc. etc. Et puis, on voit des parents qui se voient prescrire, en quelque sorte, par la prévention, ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour leurs enfants. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas les moyens de faire pour leurs enfants. Alors, soit ils se privent eux-mêmes pour faire pour eux, mais ça veut dire qu'ils mettent leur santé ou les conditions de vie, les autres éléments de conditions de vie du ménage en difficulté. Soit ils reportent, soit ils postposent, ils culpabilisent et ça fait mal. Quand une maman a un enfant qui a une scoliose et que le médecin dit « première chose que vous devez faire, c'est acheter un bon matelas », eh bien le bon matelas, il faudrait qu'il soit remboursé par la sécurité sociale. Donc notre idée, nous en tout cas, c'est d'introduire dans le remboursement de la sécurité sociale
tout ce qui est détecté dans le préventif pour les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans, de façon à ce que le traitement curatif détecté puisse être garanti à tous les ménages, notamment aux ménages qui ont le moins de ressources. Et c'est un investissement sur l'avenir, ça. Ça ne sert à rien d'avoir un état de santé qui se dégrade et qui fait que de façon chronique, à un moment donné, on devra avoir des soins complexes. On deviendra un malade chronique. On arrivera à l'hôpital dans un état particulièrement dégradé. Donc, prévenir dans ces âges-là, c'est agir même sur le portefeuille de la société. Et évidemment, le droit à l'aisance, ça passe par les services publics, hein. Des services publics qui sont adaptés à la population, des services publics qui sont en empathie avec la population, qui vont aller vers la simplification, qui ne vont pas aller vers un esprit de sanction, mais vers un esprit d'accompagnement, un esprit qui reconnecte au droit, qui redonne de la légitimité au droit, qui reconstruit de la confiance du citoyen envers le service public. C'est majeur et il faut le renforcer. Et puis c'est évidemment... analyser toutes les politiques développées par les gouvernements, quels qu'ils soient, tous les niveaux de pouvoir, à l'once de la réduction des inégalités. Est-ce que ce qu'on veut faire en matière de logement, est-ce que ce qu'on veut faire en matière d'enseignement, est-ce que ce qu'on veut faire en matière de santé, est-ce que ce qu'on veut faire en matière de fiscalité, tout, dans toutes les matières, de tous les niveaux de pouvoir, va contribuer à réduire les inégalités, ne va pas contribuer à réduire les inégalités, va permettre que ça stagne ou va augmenter les inégalités. C'est une base élémentaire, analyser ce qui se passe au niveau de toute la chaîne des revenus en étudiant ça des plus bas aux plus hauts revenus pour essayer de rééquilibrer les choses et d'amener tout le monde dans un contexte de vie le plus apaisant possible, le plus satisfaisant possible. Eh bien, c'est agir aussi, alors autre élément, c'est évidemment, puisque les enjeux climatiques sont énormes, c'est de réfléchir aux enjeux climatiques directement liés aux enjeux sociaux. C'est-à-dire, résoudre les problèmes sociaux sera au service des enjeux climatiques. Si demain, on a des logements correctement isolés, à des prix décents, on va aider le portefeuille des gens, on va mieux loger des gens, on garantira qu'ils auront un toit au-dessus de la tête, et en même temps, on aidera le climat. Si demain on résout des problèmes de mobilité collective, qualitatif, on réglera des problèmes pour les gens, on réglera des problèmes pour le climat. Si demain on organise l'accès à une alimentation saine en aidant des producteurs de qualité, locaux, raisonnés, bio, enfin tout ce qu'on veut, etc., pour que la production soit plus importante, que les prix diminuent un peu et que tous les ménages y accèdent, on aidera le portefeuille du ménage, on aidera ces producteurs qui souvent, malheureusement, crèvent de misère en produisant de la qualité. Et donc, on réduira la pauvreté dans ce monde-là aussi, parce que la pauvreté est aussi dans le monde de ces producteurs, est aussi dans le monde des indépendants aujourd'hui. Et en même temps, on aidera le climat. Et on pourrait donner beaucoup d'autres revenus comme ça. Et puis, il y a le travail et l'emploi. Nous, on croit à l'emploi, au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, mais pas n'importe quel emploi. Un emploi qui garantit la sortie de la pauvreté et qui est reconnu comme pouvant être librement choisi. Plus on descend dans les catégories sociales appauvries, plus la tendance des gouvernements est de dire que ces gens-là n'ont pas à choisir, n'ont pas à avoir de désir, ils n'ont qu'à prendre l'emploi qui passe dans les conditions qui sont celles-là, qu'elles soient dégradées ou pas, quelle que soit la distance de son domicile, etc. Ça ne va pas. On doit reconnecter la création d'emplois et l'emploi aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux. On l'a vu d'ailleurs, la crise du Covid a montré des emplois essentiels, des emplois majeurs. Et on voit que dans cette palette d'emplois, il y a des emplois qui demandent des qualifications, mais il y a des emplois aussi qui permettent à des gens qui ont eu des parcours scolaires chaotiques ou qui ont des difficultés ou qu'un handicap limite dans la possibilité d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Eh bien, on voit qu'il y a des tas de personnes qui pourraient avoir de l'emploi aussi dans ces enjeux climatiques, environnementaux, liés à la biodiversité, liés au vieillissement, liés à la santé, liés à la petite enfance, etc. Donc là, il faut prendre des tournants radicaux pour arriver à ce droit à l'aisance. Voilà, donc nous, on pense que ce n'est pas un vœu pieux, le droit à l'aisance, c'est un choix de société. Un choix de société, ce n'est pas non plus une abstraction, c'est de la décision politique. C'est de l'adhésion de la société, c'est du dialogue avec les acteurs organisés qui pensent à la chose, et c'est arriver à avoir une politique et
une programmation en quelque sorte politique qui ne soit pas limitée à une législature mais également sur le long terme. Donc comment peut-on régler des choses à court terme, mais comment aussi peut-on se réengager dans un investissement progressif à long terme dans une société pour arriver à garantir des droits pour tous qui conduiront à ce droit à l'aisance. C'est ça l'enjeu et c'est ce qu'on veut développer avec les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Ils sont forts là-dedans. Ils en ont témoigné encore toute cette journée du 17 octobre et ils poursuivront avec détermination. Pas de raison d'abandonner. La pauvreté n'a pas de légitimité. Elle n'a pas à exister. On doit la combattre à tout craint.